Bonjour, un petit coup de sifflet, mon ami. Eric, vas-y. Ah, sifflet. Ah non, Cyril, pardon. Merci. Donc, voilà. Flora avec son ensemble TM200, Navi Paris, des hors-bord, des offshore et deux vapeurs à l'eau, en effet. Eric vient de nous présenter sa nouvelle variante de chaloupe, c'est-à-dire sa chaloupe coque, c'est quoi une mouette. Non, c'est pas non. Une mouette, c'est plus petit, ça fait 90 cm. D'accord. Mais en tout cas, équipé d'un PM Research 8 cm3, donc ça cavale. Hein. Allez, essaye de le suivre, Cyril. Essayez de naviguer de concert au moins alors. Pendant que les fous furieux là-bas s'éclatent. Moi, je marche dans la gadoume. Attends-moi, attends-le. Donc, j'en profite pour vous filmer l'intérieur de la chaloupe. Tout est fait main chez lui, sauf le PM Research. C'est ça l'intérêt. Et puis ça mousse, hein. Je peux vous dire qu'il pourrait mettre une plus grosse hélice, parce que 8 cm3, ça remue. Hein. Alors, ce que vous pouvez remarquer ici sur ma chaloupe, c'est que la pompe fonctionne, parce que je l'ai ouverte, hein. Comme la chaudière était pleine. Regardez sur le côté, vous voyez que l'eau, c'est tout simplement parce que j'ai ouvert la vanne bypass, et donc je vais bientôt refermer la vanne bypass pour re-remplir la chaudière. Voilà. Petit coup de sifflet, Cyril, n'hésite pas. Voilà, puisque mon ami Eric, lui, il n'a pas mis de sirène ou de sifflet sur son bébé. Donc, petit contrôle de quoi? De pression? Je sens que le brûleur, il est... T'es éteint. Là, je suis éteint. Bon, bah, les amis, faute de gaz, on va arrêter cette vidéo sur cette petite image, voilà. Et là-bas, la copine est vaillante. Merci Eric, merci Cyril, au revoir les amis. Allez, vas-y à fond Cyril, va, allez, vas-y, lâche-nous. Au moins 2 km/h. Un peu comme le baril. On va remettre la pompe, on va remettre de l'eau avec la pompe. Au revoir les amis.